lying in wait there. Our story begins. C'est vous qui faites ce grincement en marchant, Madame Bibos? J'entends rien. Hein? J'avais l'impression qu'on nous suivait. J'avais un voisin qui entendait courir des rats. Mais il était saoul du matin jusqu'au soir. C'est ce qu'ils appellent le délirium. Sauf votre respect, monsieur le curé. Hé ! Mon petit ! La route pour aller à... C'est tout droit, monsieur le curé ! Merci, mon petit. Tu m'as montré le chemin d'Ars. Je te montrerai le chemin du ciel. Tu ferais mieux de reprendre tes clics et tes claques. Ils sont tous à moi ici. C'est un peu fort. T'as entendu? Quoi? Parler. Tout à l'heure, on marchait, maintenant, on parle. Ça vous arrive souvent d'entendre des voix? Non, jamais. C'est parce que vous avez le ventre creux. Avec vos jeunes, vous vous ruinez la santé. Et c'est pas à Ars que vous allez gagner de quoi vous nourrir. Oh, je suis fait de besoin, ma bosse. Allez, non plus pour longtemps. Allez, en route, viens, ça. Eh ben, allez. Alors, qu'est-ce qui se passe? Fais demi-tour. Non. Tu vas perdre ton temps ici. Perdre mon temps? Jamais cette paroisse ne pourra contenir tous ceux qui plus tard y viendront. À cause de toi? Eh bien, voilà un beau péché d'orgueil pour commencer. Qui retient le cheval? Non. Il n'y a plus rien maintenant. Viens. Qu'est-ce qu'il a invité, celui-là? Mais tais-toi, Georges, je lui parle pas, un curé, ça porte malheur. Malheur? Ouais, attends,
va te faire des guerres pires, moi. Oh, ben non. Surtout, n'interrompez pas cette fête pour moi, mes amis. Nous avons bien le temps de faire connaissance. Oui, je suis votre nouveau curé. Quoi ? On n'en veut pas de curé, t'entends ? On n'a pas besoin de marchand d'eau bénite. Ça fait déjà un conseil obtenu, c'est de retourner d'où tu viens. Bien dit, monsieur le curé, que c'était un pays de mécréants. Mais non, vous êtes trompé, Verbibotte. Faut pas si méchant qu'ils en ont l'air. Bravo ! Voilà qui est parlé ! Allez, allez, venez ! On va vous faire un verre ! Oh ! Oh, si c'est pas malheureux de t'acheter un appareil ! Eh, mais... Tu es un connaisseur ? Dans mon village à Dardilly, on cultive aussi la vigne. Ah oui ? Allez ! Merci. À la vôtre, monsieur le curé. Bonne santé. Du vin d'ici, ça ? Oui. On va y en tout de même du meilleur. Quoi ? Tenez, si vous le permettez, quand je serai installé, je me ferai un plaisir de vous donner quelques conseils. Merci. Pourquoi travailler dans une ferme ? De la terre. Mais il a raison, c'est de la piquette. Non, pas de la piquette, répète-le. En tout cas, vous êtes bien content de le faire. Ah, on le pense. Seulement qu'un jour, nous regretterons. Tu as entendu ? Il nous cherche un sort. Laisse le corbeau pousser son fils. Je serais bien lui clouer le. C'est la clé. Bonjour, mon ami. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, madame. On vous dérange, madame. Excusez-nous. C'est un plaisir, au contraire. Si vous saviez comme ça me crevait le cœur de voir le presbytère vide. Mais malheureusement, on ne m'a pas annoncé votre arrivée. Mais j'aurais donné un coup de balai. Oh, non, non, non. Chassé les araignées. Oh, non, non. En fait. Oh, non. Pauvre monsieur le curé, vous allez avoir une bien mauvaise impression de votre futur logis. C'est beaucoup trop gros pour moi. À qui appartient ceci ? À la châtelaine du pays, mademoiselle Dégaré. Elle l'avait offert à votre prédécesseur. Il faudra les lui rendre. Je ne veux pas vivre dans un palais. Et cette porte, là, vous donne-t-elle ? Dans les dépendances. Bon, eh bien, soyez donc assez aimables pour y ranger tout ce qui ne nous appartient pas. Il a l'air encore jeune. 32 ans. Qu'il y a des imbéciles qui sacrifient leur bonheur à une chimère. Vivre dans un taudis pareil. Et pourquoi ? Tu as vu tes ouailles ? Jamais tu ne les empêcheras de se vautrer dans leur vice. D'ailleurs, ils sont heureux comme ça. Ils n'ont que faire de ce paradis que tu veux leur promettre et qui n'existe pas. Si
tu es Satan envoyé par l'enfer pour me tenter. Dis-le. Appelle-moi comme tu voudras. Il n'y a pas plus d'enfer que de ciel. Honte. Dieu est mort il y a des millions d'années. Alors pourquoi viens-tu me tourmenter si c'est pas pour m'arracher à lui? Parce que j'aime les humains, moi. Je veux qu'ils soient heureux sur la terre, puisqu'il n'y a que la terre. Souviens-toi qu'en faisant leur malheur, tu feras aussi le tien. Garde tes conseils pour toi. Et tu peux t'en aller, tu entends? Quoi que tu fasses, je suivrai la voie que Dieu m'a tracée. Ça lui arrive souvent de parler seul. Mais non, ça a commencé en route. Eh ben, il nous manquait plus que d'avoir le curé détraqué. Détraqué? Faites attention à ce que vous dites, hein. Est-ce que Jeanne d'Arc était détraquée, elle? Vous n'allez pas le comparer à Jeanne d'Arc, votre jeune curé. D'abord, les saints, c'est aussi rare que les beaux jours. Et puis, c'est facile à reconnaître, ils ont une auréole sur la tête. En tout cas, je sais pas ce que vous avez sur la langue, vous. Mais ça fait bougrement du bruit pour rien. Oh. Eh ben, qu'est-ce qui arrive, mes amis boss? Nous avons presque fini de vider la charrette. Il faudrait nous dire où vous voulez qu'on mette tout ça. Oh, laissez donc, je m'en arrangerai bien. Alors, un des petits paroissiens, sans doute. Vous n'ayez pas peur. Approchez, dites-vous, votre curé vous mangera pas. Dites-moi. Comment je t'appelle? Marcheron Pierre. Marcheron Pierre. Et ton père, qu'est-ce qu'il fait? C'est le fossoyeur. Ah, il y a du travail? Il dit que ça va. Ça va? Je te fais peur. De voir une pareille graine d'échafaud. Oh. Que voulez-vous? Ils ne savent pas, ils suivent leur instinct. Pour le moment. Ah, vous pensez donc les mettre dans la bonne voie? Bien sûr, pourquoi pas? Ben oui, votre prédécesseur y avait renoncé. C'est vrai qu'il était malade et découragé. Ça, j'en sais quelque chose. Je suis le sacristain. Oh. Oh! Je suis très heureux de vous connaître, monsieur. La certitude que nous nous entendrons très bien. Qu'est-ce qu'on vous a fait, monsieur le curé? Oh, rien. Pauvre pays, pauvre jeunesse. Inutile de faire du feu, mère Vibos. Il faut pourtant que je vous fasse un peu de soupe. Non. Et qu'est-ce que vous allez manger? Oh, rien pour ce soir. On verra bien demain. Vous avez peur, monsieur le curé? Vous n'allez pas repartir? Il fait pénitence pour eux. Le bon Dieu en aura pitié. J'ai l'impression que vous allez vous tuer pour rien. La souffrance expiatrice n'est jamais perdue. Allons, ma bonne mère Vibost, il est temps d'aller trouver une chambre. Vous allez encore vous mettre en retard. Bonne nuit, mère Vibost. Bonne nuit, monsieur le curé. Bonsoir, Grappin. Allons, ne tremble pas, Vianney. Sais-tu de quoi tu as peur? De ta solitude. Tous les hommes sont voués à la solitude.
Leur âme est enfermée dans une carapace de fer. Il n'y a que l'amour qui puisse la briser. Oui, l'amour de Dieu. Non, ce que j'appelle, moi, l'amour. Tiens, regarde. Tais-toi. Si tu le connaissais, ce ciel-là, tu n'en voudrais pas d'autre. Je veux leur faire gagner le paradis de Dieu. Voyons, tu ne vas pas perdre ta vie à t'occuper des autres qui te haïront si tu les aides. Qu'importe, ils me haïssent si je parviens à leur faire aimer notre Seigneur. Tu es jeune. Justement, j'ai toutes mes années à leur consacrer. Tu es plein d'ardeur. Je vous l'offre, toutes, ô mon divin maître. As-tu remarqué les filles qui t'entouraient tout à l'heure? Je te tais. Pas grappin, si t'as rien trouvé de mieux depuis Saint-Antoine, tu peux t'adresser ailleurs. Non, parce qu'il n'y a rien de mieux que la chair. Tu sens comme la tienne brûle. Oh, elle a menti. Oh mon Dieu. Tu as tué l'esprit du mal jusque dans mon corps. Puisque tu crois que Dieu a tout créé, c'est donc lui qui a créé le mal. Oui, le bon Dieu a créé le mal pour qu'on l'écrase. Non, pour qu'on en jouisse. Jésus! Oh mon Dieu, ne m'abandonnez pas. Majesté Louis XVIII enjoint les maires de toutes les communes de France de procéder au recensement des emblavures. Mais pourquoi, et je vous le demande? Sans doute pour nous faire suivre un peu plus d'impôts. En 90, la République a supprimé la gabelle. Faut bien que les rois se rattrapent dans quelque chose. Ah mais il s'en moque, Sanson, il apporte bien au soleil. Et la taxe sur les fers. C'est nous qui la payons quand on a besoin de tes services. Vous entendez? C'est le nouveau curé qui sonne sa messe. J'espère qu'on va pas le laisser s'installer ici, celui-là. À l'étranger qui traite notre bande piquette. N'ai aucun texte de loi qui me permette de le faire expulser. Aucun texte? Et après? Est-ce qu'on est les maîtres de la commune, oui ou non? Si ça nous plaît à nous de pouvoir curer, c'est notre droit. Erreur! On est toujours sous le régime du concordat du 18 germinal de l'an 10 qui assure le libre exercice du culte sous réserve des règlements de police. Eh ben, des règlements de police, on n'a qu'à en faire. Mandy n'est peut-être pas fâché du triomphe de la réaction. Il a fait baptiser ses gosses, lui. Et votre mère, Père Clément, est-ce qu'elle n'a pas été enterrée par un prêtre en réfractaire pendant la Révolution? Peut-être! Mais moi, je n'ai pas tiré les bottes de l'empereur! Ni pas tiré la bagnole! Monsieur le curé.
Un tout petit peu fêlé. Mais c'est bon, nous arrangeons ça. Oui, j'essaie de les dégeler un peu, mais je compte pas sur un gros succès. Hein? Alors vous croyez que nous n'aurons pas beaucoup de monde? Sans douleur par le professeur Carnot pour relever des cours de Russie et d'ailleurs. Voici le nom coupable, le chico douloureux dont la carie alourdit les humeurs est putride et innocent. En moins de temps qu'il faut pour le dire, et sans que la patiente puisse s'en apercevoir. Je vais vous dire, vous aurez la demoiselle du château. Oui, qui est très vieux, Smith. Pardon. Les jeunes Lassalle, et puis leur mère, et puis aussi quelques vieux, enfin, si j'ai bien compté, ça fera 6, peut-être 7. C'est tout? Mmh. Oui, bien, nous prierons pour les absents. À la majorité des voix, d'exiger l'expulsion pure et simple du curé. Mais comment s'appelle-t-il? Oui, oui, tant pis, laisse-le en blanc. Oh, un curé, c'est plutôt en noir. Pour contravention au règlement de police concernant l'usage immodéré des cloches. Ah, mais c'est une plaisanterie. Oui, mais c'est le premier grillé. On en trouvera d'autres. Voilà donc 1800 ans après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, où en est-il par hasard? À quoi vous a servi le sacrifice du calvaire? Oh, mes pauvres amis, je vous le demande, Jésus-Christ est-il mort pour vous ou pour rien? Il vous aime toujours, il vous a fait. Et vous, vous vivez loin de lui, dans la boue du péché. Et une fois engagé dans ce bourbier, vous ne savez plus vous en sortir. Ah, s'il y allait de votre fortune, vous sauriez bien vous tirer de ce mauvais pas. Mais parce qu'il n'y va que de votre âme, alors vous y restez. Et décidez de lutter contre toutes les forces. D'abord contre le péché. Le péché d'âme. L'ignorance, l'indifférence religieuse et tous les désordres qui s'enfuient. Puisque mes paroles sont des êtres de l'Église, on s'en va des clés de misère. Oui, vous m'entendez.
de robes et de manteaux dans les trois chariots. Qui dans les j'ai porté pour vendre à la foire de Hollande. Et la bouffée, elle est bien. Tandis que celle qui est dans la Dieu est toujours dans la voie. Vous êtes vous demandé pourquoi votre bétail est maigre et va la tête baissée. Il est tout simplement à l'image de votre art. Et leur bonnet clamé furent bientôt chuchés. Et le cri de la bête, le cri de l'ange, c'est la prière. Le cri de la bête, c'est le péché. Et vous, attirez des bénédictions sur vous, sur les vôtres. Qu'est-ce qui se passe? Il va faire augmenter le rendement des herbages dans la région. Mais approchez-vous donc. Les tables de votre vieille église, sur lesquelles ça se mouillait les pères de vos pères, ne vont pas vous brûler les pieds. Ne vous étonnez pas si je crie quand je vous parle. Je parle des sous. C'est qu'avec le bon Dieu que je parle là. Car il écoute. Prenez place sur les bancs. La maison du bon Dieu, c'est la vôtre. Et nous allons lui parler comme lui parlaient vos pères. Laissez la haine et les rancœurs à la porte. Un peu moins de politique et un peu plus d'entraide fraternelle. C'est tous ensemble, la main dans la main, que nous allons travailler au bien de la commune. Si les hommes se laissent conduire... Il a raison, on passe son temps à s'engueuler au conseil municipal. Il va pas lui couler le bec. Commencez par fermer le vôtre. Laissez-le pas à rien à la mairie. Bon, à rien, ouais, laisse-le, c'est un calotin. Je vais pas te salir avec ces gens-là, allez, viens. Mais t'as raison. Il y a toujours des bouts de charogne dans les lits de corbeaux. Nous allons lui demander de nous aider à sortir de ce bourbier dans lequel vous vous êtes enfoncé par la conscience. En délaissant ce marché, on n'avait pas l'entendu de remplacer dimanche. Vous avez fait le premier pas, ce dur chemin de votre salut. Aujourd'hui, la bonne révolution d'art. Il vaut mieux éviter un sale. Il annoncerait que vous quittez le pays pour raison de santé. Mmh. Vous voulez pas partir? Non. Alors on va s'adresser à votre évêque. Comme vous voudrez. Vous lui obéirez. Et si on vous trouvait une bonne cure dans une ville, ici, ben, il y a peine de quoi manger. Oh, c'est excellent, mais bon, le gère. Si vous voulez me faire l'honneur d'en goûter une, monsieur Sanson, c'est de bon cœur. Croyez avoir gagné la partie parce que vous avez converti 2 douzaines de crétins, hein. Et n'ayez crainte, on ne se laissera pas faire. Il avait contrevenu au règlement de la police municipale, qui interdit les processions, les quêtes, les attroupements sur la voie publique et la propagande subversive. Non, monsieur Sanson, faites-moi un prisonnier. Mais ne riez pas. C'est le dernier avertissement que je vous donne. Entrez. Qu'est-ce que vous venez faire ici, vous? Je vais dire à moi, monsieur le curé. Non, mais vous n'allez pas vous mettre à lécher les soutanes, hein? Si jamais votre mari apprenait ça. Mais son mari viendra aussi, monsieur Sanson, n'ayez crainte. Quoi? Ruffin? Eh ben, si celui-là se met dans la calotte, je vous jure que je me fais sacristain. Il sera de plus en plus mal. Que voulez-vous que je fasse pour lui? Vous savez beaucoup de choses, monsieur le curé. Je suis sûre que vous pourrez le guérir. Moi, oh non, 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 non. Et si le bon Dieu veut y mettre du sien? Venez, ma Ruffin, je vous accompagne. Attention, monsieur Viollet. Pas d'exercice illégal de la médecine. Il y a un exercice illégal de la charité, alors je suis en faute. Bonjour, mon père.
par là, monsieur le curé. Alors, mon petit gars, où est-ce que tu as mal? Il y a longtemps qu'il est comme ça? Près de 6 mois. Tu n'as pas fait venir un médecin? Mais il n'y en a pas dans le pays. C'est le père Clément, leur bouteille, qui soigne. Qu'est-ce qu'il lui a ordonné, ce père Clément? De drôles de choses. Du bouillon de sang d'une poule noire, tué à la pleine lune et coupé d'eau de vie. Pourquoi? J'ai l'impression que votre clientèle pourrait bien diminuer. Et qu'est-ce qui peut vous le faire croire? Les curés, ça se mêle souvent de ce qui ne les regarde pas. Mais celui d'Ars, surtout. Il ne manquerait plus que ça qui se mette à soigner les malades. Dame, s'il guérissait le petit des Ruffins, ça pourrait vous faire du tort. Le petit des Ruffins? Je suis bien tranquille, jamais il n'osera rentrer chez eux. Bah pourtant il y est. Quoi? C'est comme je vous le dis. Vous pouvez jurer? Ah, j'ai pas l'habitude de mentir. Ça ne va pas se passer comme ça. Donnez-moi un peu de lait sucré. On va essayer de l'alimenter doucement. Avant tout, ma bonne dame Ruffin, il faudrait cesser ces pratiques de sorcellerie. Elles ne peuvent qu'aggraver la maladie de cet enfant. Votre père est paralysé? Oui. Il y a longtemps? Près de 5 ans. Il est tombé d'une échelle en montant à la grange. Et depuis 2 ans, il a complètement perdu l'usage de la parole. Nous sommes tous voués aux déchéances de l'âge, mon père. C'est vous qui êtes allé chercher le curé? Mon petit Jacques était au plus mal. Vous ne vous plaindrez pas s'il lui arrive malheur. Si quelqu'un doit tuer les malades, ce serait plutôt vous que moi. Et je vous prie même de ne plus continuer vos charlataneries sur tout le territoire de ma paroisse. Faites attention à ce que vous faites. Vous pourrez vous en cuire. Est-ce que nous verrons? Je viendrai lui rendre visite dans la soirée. Dites-moi, madame Ruffin, est-ce qu'il a été baptisé, votre petit malade? Oh oui, monsieur le curé, en cachette de mon mari. Tant mieux. Et monsieur Ruffin est tellement du coup. Pourquoi viens-vous le connaître? Le curé, comme c'est le dit, il va voir quel bois je me chauffe. Oui, c'est moi. Cax, je t'apprendrai à faire entrer cette prêtre avec chez moi. Personne ne m'en empêchera. Écoute-moi bien. Si jamais il remet les pieds ici, je le sors à tout gourdin. Il reviendra. Et ce que tu dis? J'ai le droit de tout essayer pour sauver mon petit. Thank you.
Mais quand c'est bien fait, ça va bien dénicher. Pas de scandale dans cette église. Si vous avez quelque chose à me dire, vous pouvez sortir. Si tu veux, ne laissez pas t'échapper. Les hommes se mettent, on a attaqué notre curé. Hein? Ils sont venus le chercher à l'église, ils vont lui faire un mauvais parti. À vous qui l'a tué, hein? Il est venu chez moi pendant mon absence. Je suis venu pour le soigner, mais... Il est mort après ton départ. Si Dieu a voulu reprendre ses pauvres petites âmes innocentes... Eh ben, il va te reprendre, toi aussi. Arrête, non, arrête. Toi, toi, si monsieur le curé est coupable, ça n'est pas à toi de le juger. Vous rentrez chez vous, monsieur le curé, et attendez. Il n'y a rien pour attendre. Je reste là, je vais surveiller. Non, 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 c'est inutile. Si Dieu me protège, il saura bien les confondre. Ruffin, tout saccagé dans votre chambre. Tant mieux, c'était encore beaucoup trop beau. Ça devait arriver. On ne lutte pas contre moi. Ton soi-disant Dieu t'a abandonné. Alors, un bon mouvement et j'arrange tout. Sainte Philomène. Il a été empoisonné. Vous ne vous êtes aperçu de rien? Il m'a conseillé de lui donner du lait. Celui-là? Oui. Petite Sainte Philomène, vous qui avez été torturée dans votre chair, protégez-moi. Tu peux compter sur elle. Elle n'a même pas pu échapper aux soldats romains qui l'ont percé de flèches. Si elle le veut, elle saura faire éclater la vérité. Il n'y a pas de doute possible. Il veut dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, Père Ruffin? Il est mort. Qu'est-ce qu'il part? Un bout d'eux. Vous l'avez vu? Il a versé le poison dans le bol. Clément, tu es sûr? Confiance en vous. Aidez-moi. Montrez-le. Monsieur le curé, on vient d'arrêter le rebouteux. C'est lui qui avait empoisonné le petit Ruffin. Seigneur Jésus, Sainte Philomène a exaucé ma prière. Nous allons porter ses reliques à l'église et nous lui ferons faire une belle chasse dorée, Mère Bibot. Elle sera la patronne d'art. Thank you.
Paul. Bonjour, Belmel. Il va pas mieux. Il paraît que ça s'arrangera avec le temps. Ça n'empêche que le curé qui voulait emporter ce jour-là. Ah ben j'attends mon œil. Il ne l'apportera pas en paradis. Un démon, t'es comme les autres, malheureux. Depuis 12 ans, personne n'est arrivé à le déloger. Il a mis la main sur tout le pays. Bonjour, monsieur Malray. Je viens vous demander votre vol pour l'œuvre de la Providence. Vous, Catherine Lassagne, voulez-vous me foutre le camp? Non seulement votre curé a fait un mauvais sort à mon gosse, mais il m'enlève tous mes clients. Et vous avez le culot de venir piéter ici? J'aimerais mieux crever que de lui donner un coup. C'est pas pour lui, mais pour les enfants abandonnés de notre orpheline. Une racaille qui ramasse partout, qui fait gueuler sous mes fenêtres. Vous voulez dire que si ça continue, j'irai lui fermer la bouche à sa marmaille. Alice, à l'occasion de l'avènement de Sa Majesté le roi Louis-Philippe, la municipalité a décidé d'organiser dimanche prochain une grande fête à Arles. Elle convie la population à pavoiser et à décorer les rues. Grand bal public au café Malray, défilé avec la fanfare de Sarrebo et retrait au flambeau. Encore un bal, encore à danser. Vous n'arriverez jamais à les corriger, ces pauvres enfants. Il faudra continuer à les secouer un peu. Soyez sans crainte, ma bonne Catherine. Vous en perdrez plutôt la vie. L'avènement d'un nouveau roi, sans doute encore plus tyrannique que le précédent. Le précédent. Ses paroles subversives et républicaines, prononcées du haut de la chaire d'Arc. Et républicaines, prononcées du haut de la chaire d'Arc, ne peuvent qu'encourager la population à souhaiter le renversement de la monarchie et à ramener... La monarchie et à ramener... Eh bien, à ramener quoi? Les sombres jours de la terreur. Ça s'est envoyé. Veuillez croire, monsieur le procureur du roi, à nos sentiments de profond dévouement à la cause de Sa Majesté. Et qu'est-ce que je signe? Un groupe d'habitants de la commune d'Arc. J'ordonnerai au voiturier de la poste pour qu'elle soit à Lyon demain matin. Ah, si jamais on arrête le jour de la fête, je prends une de ces cuites comme on n'en a jamais revu depuis Noël. Ah, non, c'est vrai, ça. Bonjour, monsieur le curé. C'est un cadeau qu'on vous a fait, monsieur le curé. La bonne madame Desgarets. Bien vu ici, toi. Tu vas annoncer à tous les gars du village que monsieur le curé distribuera des bonbons à tous ceux qui viendront se faire inscrire pour le pèlerinage de Fourvière après la messe. Mmh. Bien compris. Des rondoudous, des caramels, des sucres d'orge et des pralines. Tiens, on a déjà un pour toi. Tu as bien compris, hein? Alors dépêche-toi et on vient vite. Ça ne verront pas leurs parents s'enivrer. Mmh.
Procureur du roi, nous pouvons nous mettre à votre disposition pour nous saisir de la personne du dénommé Vianney Jean-Marie, curé de votre commune. Notre curé? Non, mais qu'est-ce qu'il a fait? Conspiration contre la monarchie, propos subversif. Lui? Oh, on s'est trompé, voyons. Allez, m'attendre au café Malraix. Oui, on réglera ça après le vin d'honneur. Hein? Ah, ben, je les accompagne. Et venez. Toi aussi, tu voudrais venir au pèlerinage. Hmm? Approche, mon enfant, viens. Qu'est-ce qu'il y a? On m'a dit que vous m'aviez pris mes jambes. Je viens vous demander si vous voudriez bien me les rendre. Mais je n'y peux rien, mon pauvre petit. C'est le bon Dieu qui a permis ton infirmité. Peut-être pour qu'elle te fasse gagner le ciel. Rendez-les-moi, monsieur le curé. Est-ce que tu as essayé de marcher sans tes béquilles? Non. Eh bien, essaie. Sainte Philomène, qui fut elle aussi une enfant martyr, intercèdera peut-être pour toi. Thank you.
femme. Il est guéri. Et monsieur le curé? Le curé? Il m'a rendu mes jambes. Miracle. Oh, miracle. 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 Pardonnez-moi, monsieur le curé. Oui. Le bon Dieu te pardonne. Seulement, tu n'es pas en règle avec lui. Il faudra aller à Misérieux faire célébrer votre mariage religieux. Pourquoi? Vous voulez pas nous marier? Je n'en aurai plus le temps puisque les gendarmes viennent pour m'arrêter aujourd'hui. Non, vous ne le serez pas, monsieur le curé. C'est moi qui ai menti, qui vous ai calomnié. J'irai me les bras à votre place. Malheureux, tu as accusé un saint. Un saint. Car ce prêtre regarde le cœur de l'homme avec les yeux de Dieu. Il va donner le meilleur de lui-même aux pèlerins qui vont bientôt accourir des plus lointaines provinces de France, dans l'église restaurée, où, prisonnier du confessionnal, il libérera les âmes du péché, ne cessant de pardonner, de guérir ces foules qui viendront l'attendre nuit et jour dans le petit village à la célébrité grandissante, où se retrouveront tous ceux qui n'espèrent plus qu'en une intervention du ciel. Toutes les voitures qui viennent ici, vous devez en gagner de l'argent. Oh, n'empêche que c'est une honte. Si le pays continue à être envahi par les calotins, moi je boucle ma porte. Tu viens avec moi ce soir, la Val de Trévoux? Non. Oh non, mais ça va pas mieux, non? Tu vas te faire nonne, toi aussi? Je vous prie de ne plus me tutoyer. Oh, oh non, mais vous voyez ça. C'était la plus grande catin du pays, et la voilà qui bouffe des messes à longueur de journée. Oh. Si ça lui plaît. Oui, allez, vous pouvez ramener votre carte. Allez. Allez la faire ferrer au paradis, si vous voulez. Avec des fers en hostie consacrés. Ça n'a pas voltigé par-dessus les obstacles. J'en ai assez de bourgeois réactionnaires. Vous m'entendez? Et s'il reste un libre penseur ici, ça soit. Non, non, non. Non, non, non. Allons, 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 allons. Il est interdit de venir attendre notre saint curé ici. On vous a servi la place de l'église. Occupez-vous un peu du service d'ordre, puisque vous êtes son auxiliaire, sinon ils vont l'épuiser. Voilà un homme qui ne se repose même pas deux heures par nuit, voyons, allons. À quelle heure vous allez voir? On vous préviendra.
pour l'instant, il prie pour vous. Allez, allez, on vous regarde. Eh bien, c'est l'apothéose. Ils sont tous là qui t'attendent, pour que tu les confesses, pour que tu lises dans leurs pensées. Tu es un grand homme maintenant. Tu as déjà ton portrait dans les maisons. Après ta mort, tu seras célèbre. Tu élèveras des statues dans toutes les églises du monde. Les savants. Tu as déjà converti des foules immenses, exaucé des vœux, guéri des malades. Et peut-être qu'un jour, grâce à toi, la plupart des humains seront sauvés. Alors avoue-toi vaincu. Et va-t'en. Mais non. Imbécile. En sauvant les autres, tu t'es perdu toi-même. Moi ? Regarde ton âme. Elle est noire. Que tu le veuilles ou non, tu prends pour toi les hommages qu'on te rend. Tu es fier de l'adoration des foules. Tu te crois l'égal de Dieu. C'est bien que non. Tu es à moi jusqu'à l'impossible fin de l'éternité. Jamais plus tu ne pourras te débarrasser de ton péché d'orgueil. Tu es perdu. Pas encore. Je lutterai jusqu'au bout. Je me sauverai. J'ai confiance en Dieu. Vous m'avez appelé ? Non, mais vous avez bien fait de venir. Regardez dans quel état vous vous mettez avec toutes vos privations. Vous ne dormez déjà plus parce que vous avez donné votre paillasse à un pauvre et vous vous rendez malade avec vos pénitents. Vous pouvez descendre, j'ai préparé votre déjeuner. Vous ne mangerez pas. Mais c'est de la folie. Vous ne mangez jamais. Vous vous tuez. Madame Bibost, il faut que je m'en aille. Où ? Je veux quitter Ars. Je veux m'enfermer dans un monastère. Vous n'y pensez pas ? Et que deviendraient tous ces gens que vous pouvez ramener à Dieu ? J'ai peur de me perdre. Vous m'entendez ? Bibost vous interdit de prononcer cette parole. C'est un pauvre méchant. Alors, monsieur le curé, il ne faut pas vous laisser aller au découragement. Tenez, allez voir vos enfants à la Providence. Ça vous changera un peu les idées. Le bon Dieu écoute toutes vos prières. Oh, taisez-vous, malheureux. Je suis le plus misérable des pécheurs. Ma curée, par grâce, priez pour elle. Soyez sans crainte, elle guérira. Et vous la perdrez. Comment ? Elle prendra le voile aux Clarisses. Oh, ma pauvre enfant. Il faut quitter tout de suite cette existence de débauche. Sinon, vous finirez à l'hospice dans d'abominables souffrances. Mais soyez sans crainte. Le bon Dieu vous aidera. Venez, mon ami, il faut vous confesser. Mais... Oui. Cachez-vous. On est pressé, là-haut. Si vous n'avez pas de mémoire, je vais vous rappeler vos péchés. Vous ne vous êtes pas confessé depuis votre première communion, en 1825. C'est vrai? À l'âge de 16 ans, vous avez commis
un vol. Ça fait du bruit, tu vas voir. Vende gode absolue peccatis tuis in nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Maintenant, vous pourrez mourir en paix. Que vous avez confessé sur la place vient de mourir d'un accident. Merci, mon Dieu, de m'avoir averti à temps. A-t-il été bien reçu à son arrivée à Arles? On a immédiatement reconnu dans l'abbé Vianney un envoyé de Dieu. Ne mens pas, Malraye. Avoue qu'on a tout essayé pour le faire partir. Ah, et c'est vrai, on s'est bien mal conduit envers lui. Mais il s'est bien vengé en nous convertissant tous. Ainsi, moi, il m'a eu en guérissant mon fils. Il est là? Oui. Paul. Voilà le premier miraculé d'Ars. Il ne pouvait marcher qu'avec des béquilles. Je ne veux pas vous distraire de vos véritables occupations. Si vous avez un instant tout à l'heure, je me ferai un plaisir d'aborder avec vous. Volontiers. Il faut que je te parle, Paul. Bien. Allons dehors, veux-tu? J'ai beaucoup de travail ici. Tu ne m'aimes plus? Mais si, Louise. Alors il y a quelque chose qui te détourne de moi? Non. Tu changes de jour en jour, Paul. Si tu savais comme je souffre. Moi aussi. Rien ne peut nous empêcher de nous marier. Si. Quoi? Je peux pas encore te le dire. Tu en aimes une autre? Oh, mais non, Louise. Attends-moi ici, hein, je vais revenir. Vous ne voulez rien prendre? Non. Alors allez vous reposer. Je n'aurai plus jamais de repos. Encore des lettres. Épouvantable, tenez. Vous déshonorez votre habit en voulant passer pour un saint. Et c'est signé? Un curé qui honore le sien. Monstrueux. Prétend que vous êtes un saint, vous n'êtes qu'un sorcier. Le sorcier du ciel. Celle-là est affreuse.
Avez la foi, je suis venu vous voir, je n'ai pas été guéri. C'est à cause de vous maintenant que je ne crois plus. On veut vous accabler. Non, ils ont raison. Vous ne pourrez jamais les sauver tous. Entrez. Mon petit Paul. Je parie que tu viens me redemander tes béquilles. Oh non, monsieur le curé. Je veux me faire prêtre. Mais j'y pense depuis des mois. Faut pas te croire obligé de te donner à Dieu parce qu'il t'a guéri, mon enfant. Notre Seigneur n'aime pas les vocations conditionnelles. Je suis sûr de moi. Sais-tu ce qui arriverait si tu entrais dans les ordres? Non. Tu ferais un mauvais prêtre. Pourquoi? Parce que tu ne pourrais jamais oublier Louise Marchand. Vous savez, c'est facile à voir. Tu as une âme aussi claire que du cristal. On lit dedans si facilement. Va, mon petit, va. Il t'attend. Tu lui diras que je vous marierai le mois prochain. C'est une bonne fille. Puis vous tâchez d'avoir beaucoup d'enfants, pour qu'il y ait encore plus de chrétiens sur la terre. Vous n'avez pas détourné de sa véritable vocation? Non. Parce qu'il est parti heureux. Vous n'allez pas me laisser seul. Je vais porter des consolations aux malades. Si vous avez un instant, priez pour moi. Volontiers, mais j'ai l'impression que vous n'en avez pas besoin. Vu que vous me croyez. Je ne te donne plus que quelques secondes pour proclamer ma gloire. Jamais. Alors va-t'en. Sinon, je vais te faire mourir de frayeur. Tu me gardes. Attends.
vois, on arrive toujours à s'entendre avec moi. Puisque tu es parti, je protégerai ta retraite. Tu auras une vieillesse heureuse. Mes enfants. Allons, allons, revenez. Revenez avec nous, monsieur le curé. Non, je veux me retirer. Je n'ai plus assez de temps pour pleurer mes pauvres péchés. Mais vous êtes un saint. Oh, si vous voyez mon âme. Faites-le pour moi, monsieur le curé. Et qui bénirait mon mariage? Monsieur le maire! Monsieur le maire! Qu'est-ce qu'il y a? Viens de faire la cul. Oh, allons, vite! Vous voyez bien, le diable ne veut pas que je revienne. Raison de plus pour le combattre. J'en suis pas. Viens de faire la cure. Le curé, non? Non, tu étais à ça. Ouais. C'est un miracle de plus. C'est des miracles quand il est. Je ne désespère pas un jour de les faire, se fabriquer tout seul. Où êtes-vous parti, monsieur le curé? Je ne sais pas. J'ai fait l'enfant. Même. Oui. Je trouverai d'autres moyens pour te faire partir. Non. Tu te crois donc bien fort. Je suis fort. De l'affection de tous ceux qui m'ont ramené ici. Et je ne quitterai plus Ars. Mais je te poursuivrai sans répit. Pauvre grappin. Tu peux plus rien maintenant contre moi. Et je ne veux plus t'entendre. Et je ne t'entendrai plus. Eh bien, tu vas voir. Je n'en ai pas fini avec toi. On ne m'abat pas si facilement. J'en ai vaincu d'autres que toi.
C'est un insigne honneur pour nous que Sa Majesté l'Empereur Napoléon III ait bien voulu décerner à Jean-Marie Baptiste Vianney la croix de la Légion d'honneur. Mais je sais, pas toujours flatter les goupillons. N'empêche que la célébrité de notre curé est une source de bienfaits pour la commune. Tu oublies que ton père a été ton plus farouche ennemi autrefois. Respecte au moins les morts. Pas ceux qui ont retourné leur veste pendant leur vie. Moi aussi j'ai retourné. J'ai reconnu que l'envers était meilleur que l'endroit. Eh bien, moi je garde la mienne comme je l'ai toujours portée. Parce qu'elle est aussi crasseuse des deux côtés. Répète-le. Et laissez-le, Ruffin, son sectarisme l'étouffe. Non, monsieur le comte. Il m'anime. En 68 ans, j'ai connu 7 régimes. La République, l'Empire, Louis XVIII, Charles X, Louis Philippe, la Seconde République et le Second Empire. J'ai connu la liberté et l'oppression. J'ai vu les hommes changer de livret chaque fois qu'ils ont changé de maître. Fidèle au lait que j'ai été sous Robespierre, il ne sera pas dit que je continuerai à conduire les destinées de ce bastion du cléricalisme. J'attendrai pour reprendre ma place ici que la démocratie chasse à nouveau les tyrans. Judith. Vous avez ma démission. Bon débat. Ce n'est pas un mauvais homme, mais la gloire du curé d'Ars l'empêche de dormir. Messieurs, la première messe doit être finie. Je vous propose que nous allions décorer notre saint dans sa cure. Bonne idée. Vous voulez démissionner? Et pourquoi? Vous continuez à me payer comme sacristain. Je vais avoir 100 ans dans 2 mois. Je suis plus bon à grand chose. Vous avez été mon fidèle serviteur. Depuis mon arrivée à Ars. Vous resterez jusqu'au bout. Vous venez voir? Eh oui, monsieur le curé. Monsieur Jean-Marie Baptiste Vianney, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Bon, merci, monsieur le maire. Je ne suis pas digne de recevoir cette décoration. Vous l'avez bien mérité. Non. Rien mérité du tout. Vous la donnerez à Albert Lebourg qui a perdu sa jambe en Crimée. Il la mérite mieux que moi. Mais c'est impossible. L'empereur vous l'a décerné à vous. Elle est bien jolie, cette médaille. En quoi est-elle? En vermeil. Vermeil. Où je la garde? Je la vendrai pour nourrir mes petites de la Providence. Bon, merci tout de même, monsieur le maire. Votre dérangement. Seulement, il en manque un. Hein? Vos collègues, que j'aurais eu beaucoup de plaisir à voir ici, tout particulièrement. Vous le connaissez, monsieur le curé, il est incorrigible. Faut tout de même que je le ramène, celui-là. C'est la seule brebis d'Ars qui s'obstine à ne pas suivre le troupeau. Va mourir, usé par les privations, les sacrifices volontaires, l'intensité de son action sacerdotale, je s'apprête à paraître devant Dieu, tout nimbé de la gloire réservée au saint. À cet instant suprême, laissons notre pensée aller vers lui et demandons à Dieu de lui épargner les arbres de la l'agonie. Thank you.
pleurez, monsieur le curé. C'est triste. D'accord. Vous communiez pour la dernière fois. Mais vous avez communié directement avec Dieu. Au milieu de toutes les âmes que vous avez ramenées à lui. Il en reste tellement à convertir son sang. Oh, que bon Dieu, c'est bon. Quand on ne peut plus aller à lui, c'est lui qui vient. On May 31st, 1925, the Feast of Pentecost, the lowly priest whose virtues and miracles have, in the eyes of other nations, covered the whole of France with incomparable glory, received the supreme honors of sainthood. Saint Jean-Marie Baptiste Vianney,
the Holy Curé d'Ars, one of the most remarkable figures of modern times. This program was distributed by Keep the Faith, 810 Belmont Avenue, North.